Eh bien, coucou YouTube, rebonjour, chers amis, re-bienvenue sur l'épisode 2 de Sniper Elite 5, toujours en mode, j'allais dire en mode hardcore, mais toujours pas, en mode, je ne sais plus, rustique, authentique, voilà, pour le coup, où nous avons donc franchi les défenses du mur de l'Atlantique, où nous avons explosé la tronche du général... Trou du Kudorf, voilà, on va l'appeler comme ça. Et donc, du coup, maintenant, nous allons sur la mission Résidence Occupée, qui est le château de Beauregard, où nous allons devoir nous infiltrer pour récupérer des plans secrets sur, je ne sais plus si c'est là qu'il y a l'opération Kraken ou si c'est un peu plus loin, mais en tout cas, nous allons devoir casser des culs, hein, à longue distance, bien évidemment. Voilà, donc du coup, nous continuons la campagne. C'est parti, mesdames et messieurs. Petit café qui est... Putain, mon dieu, qui est chaud bouillant. La vache. Oui, alors je bois un café brûlant alors qu'il fait 32 degrés, je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez, je suis accro au café. Allez, on est parti, let's go. C'est parti, continuons la campagne. On reprend le même stuff qu'on avait parce que c'était très bien. Je crois que par contre, au niveau des compétences, on peut encore augmenter des choses, notamment... non, c'est pas ça. Piège rapide. Les ennemis en combat ne peuvent pas le voir. Hein. Ça, ça me plaît bien. C'est jamais. Réduit considérablement les tremblements de la lunette quand vous subissez des dégâts. Oui, bon, après, c'est pas le but non plus. Marqué à distance. Je sais pas si ça fonctionnera en mode rustique, par contre. Mais on verra bien. Voilà. Hop là. Difficulté. Toujours authentique. C'est parti. Résidence occupée, mesdames et messieurs. Installez-vous. Confortablement. Coucou le chat, coucou tout le monde, on est parti. We put a dent in the Atlantic Wall battery, but at a heavy price. And now I'm stuck behind enemy lines. My contacts have identified SS officer Abelard Moeller as the butcher behind the local atrocities. Moeller has seized Chateau de Berengar and turned it into his personal Nazi stronghold. I'm going to pay him a visit. Ok. Donc voilà, un gros sommerdo, infiltration, tuer le général, et YOLO. Let's get this bastard Moeller. He's not here. What? Moeller and his entourage are gone. And his entourage? Charlie tells me that in Italy you are known as the Shadow. We need an infiltrator. Oh bordel. The intel you recovered, it has confirmed our suspicions. Moeller is in charge of some special project, top secret. If there is a lead anywhere, it will be here. Infiltration. Ouh là là. Hein? You must be our infiltrator. They've relaxed security in Muller's absence. Ok, donc du coup. Still have guard posts on all the river crossings. Fais voir un petit peu la tronche de la carte. Alors, notre objectif. Trouver le bureau de Philipp Moeller. Ah, c'est Friedrich. Liste des cibles. Du coup, la cible, ce sera Friedrich Kümmler. Et il faudra trouver les informations dans le bureau de Moeller. Donc je présume que... Donc nous on est où? Ah oui, nous on commence tout là-bas. Oui, d'accord. Donc déjà on a toute une pampa à traverser. On a pas mal d'itinéraires possibles. Avec notamment un premier établi que j'avais déjà déverrouillé là-bas. Un deuxième établi là. Et un troisième établi dans la cave. Donc voilà, c'est les trois établis que vous pouvez déverrouiller. De mémoire, pistolet. Là-bas c'est fusil. Où c'est là, fusil, et il y a armes secondaires aussi dans le tas. Voilà. Donc voilà, si vous vous demandez où est-ce qu'ils étaient, ils sont là. Donc du coup, ce que je préconise pour essayer... Donc ça va, les objectifs sont pas trop longs, pour le coup. Ça va être surtout, en fait, de ne pas se faire repérer, qui va être important, pour le coup. Sachant que l'extraction, ensuite, est là-bas, si ma mémoire est bonne.
Donc, du coup, on va s'infiltrer dans le jardin en passant par là. Faire juste attention à cette route-là, parce qu'il y a énormément de passages qui vont au château, qui vont au camp de base, qui est posté et stationné juste là. On va passer par les jardins, et une fois dans les jardins, on devrait être tranquille pour faire un petit peu nos petits bails, hein, tranquillement. Voilà. Grosso merdo. Quelle grossièreté ! Hop là ! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en renseignement ? On a donc Guet des Bois, une patrouille allemande, garde le point de traversée de la rivière, bien évidemment. On a ensuite l'entrée principale. Bon, il faudra être un petit peu teuteux et bourrin pour y aller, hein, parce que vous vous doutez bien que c'est là qu'il y a le plus de défense. Et il y a l'autre point d'accès avec une autre unité d'allemand. Nous, on va prendre celle qui est là, qui est plutôt pas mal. Hop là. Alors, voyons ouvrir. Right. C'est pas ça que je voulais ça. Let's see what these Nazis are up to. Alors, on en a un ici, 146 mètres. On en a un là. Il doit y en avoir sûrement à l'intérieur, ce serait pas étonnant, pour le coup. Ok, on va avancer tranquillement mais sûrement. Le camion. Le plus gros danger ici, c'est ça, c'est le passage. Il y a énormément de passages. Ok, et on en a deux ici, du coup. Ok. Normalement, je crois qu'on n'a même pas besoin de les tuer. Comme ça, je peux passer vraiment en soum-soum. Juste que je garde en mémoire que mon point de passage, du coup, de sortie, il est là-bas. Voilà. Le point qu'on doit rejoindre, ça va être cette petite marque là-bas. Juste faire attention aux véhicules qui passent. On a quoi? On a un soin. On n'a pas grand-chose en vrai. Hein. On a vraiment pas grand-chose là pour le coup. Là, est-ce qu'il y a un véhicule qui arrive ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Ah, j'ai rien dit. Ok, c'est bon. Je peux passer là. On peut tranquillement mais sûrement. La bouteille magique, bien évidemment. Allez. Ah, ça va pas aller sur sa tête. Pourquoi? Jure, il a tanké. J'espère juste que personne l'a entendu, ça. Non, c'est bon. Parfait. Lui normalement on va pouvoir le choper mais tranquillement, sauf si évidemment il nous fait même pas besoin. Allez, fais dodo Friedrich. Non putain, c'est pas ça que je veux. C'est mon arme. Putain. Oh la vache. I think I've grabbed all I can. That's badass. Oh, ça y est, on a repéré. Putain, mais c'est pas vrai. J'ai fait tellement de bruit.
Tout va bien, tout va bien, tout va bien, monsieur. Bon, c'était pas ça que j'avais prévu à la base. Il est où? Je vois l'ombre. Ok. Bon, je dois avouer que c'était pas ça que j'avais prévu à la base. Oh putain, et puis les renforts, évidemment. Bon, faut qu'on se barre d'ici. Et qu'on se fasse oublier. Petite erreur. On s'est oublié un petit peu. Donc on a du coup un strudel là. On en a un autre qui est là-bas avec sa MG. Ok. Choup. Ouais, évidemment, j'ai niqué toutes mes bouteilles. Ah non, mais ils viennent là en fait. C'est pas une blague. Mais d'où, comment ils savent que je suis passé? Non, ils savent pas que je suis là. C'est pas beau de me faire des blagues de mouvement comme ça. Et du coup, eux se sont affolés. Ou dans l'œil. Ah, ça doit piquer. Hop là. D'autres qui arrivent évidemment. Go. Ah, c'était sûr. Ah, c'était tellement sûr. Ça devrait juste me laisser le temps de... Oh, mais mec! Laisse-moi avancer! Oh la vache! Chaud patate, évidemment, pas de soin. Si, c'est bon. Miracle. Oh, c'est infiltration! C'est bon, vous avez fini, là? Eat this, you Nazi bastards. Oh, putain. Il va être juste là. Find anything else. Bon, un peu brouillon cette infiltration, hein, j'avoue. Là pour le coup. un peu brouillon. Essayer de récupérer un petit peu de soin, ce serait pas mal. Toujours pas. Bon, vaut mieux que ça arrive maintenant que dans le grand compound où il y a genre toute l'armée allemande. Ça aurait été vachement dommage. Je sais pas combien il m'en reste, 52 chargeurs de Thompson. Ok, là il m'en reste 4, on va passer sur les standards.
I'm making progress. Target's not dealt with yet, though. Ok. Et normalement, on est arrivé, du coup, à notre objectif. Donc, il va falloir qu'on s'occupe de ce qu'il y a ici pour rejoindre, du coup, cette zone-là, qui va donner accès, du coup, au chemin du jardin. Donc là, on va essayer de s'infiltrer sans se faire repérer, bien évidemment. Alors, on a quand même la route à côté, donc possiblement pas mal de passages, de camions, de voitures et tout. Je crois qu'en plus, c'est ici qu'il s'occupe des véhicules endommagés. Ouais, c'est ça. Die wichtigsten Teile scheinen intakt zu sein. Aber das dauert seine Zeit. Wir haben ja nichts vor. Brauchst du Hilfe? Oh là là. Oh là là. Klar. Oh toi. Nur zu. Voilà. Au revoir, Dersen. Nickel. Il reste deux soldats. Et il doit y avoir leur officier normalement qui doit être quelque part. Je ne sais où. Qu'est-ce qu'on a ici? Pied de biche. Ah voilà, yes. Qu'est-ce que c'est ça? Rifle. Ah pas mal. On l'a pas encore déverrouillé celui-là. Keeps things interesting. Ok, donc j'en ai deux là et je dois avoir normalement un sniper. Yeah. Juste là. Ok, c'est bon. Reparier das, Bertram. Finde das, Bertram. Hoffentlich kommt sein Onkel bald zurück. Ich bin diesen kleinen Schwachkopf leid. Hey, dodo, ma poule. Armory spotted. Okay, here and there can be liberated and used against the Nazis. Need to find a way in. Ta-da. Guess I grabbed everything useful. Was will dieser bessere Uniformständer denn jetzt? Sidearm. Was nice haben er und seine Saufkumpane diesmal wieder demoliert? Mais ta gueule! Inconscient! What the fuck? Il se tape sa meilleure discute. Ah mais attends, oui, yes, je viens de voir, il y a un coffre en plus. Parfait. On va pouvoir le cacher. Ein Wunder, dass er sich selbst den Hintern abwischen kann. Einige von uns wurden aufgrund von Leistung befördert. Il continue de parler. Mais ta gueule. Mais c'est pas possible. Dieu. Faut qu'on la batte pour qu'il ferme sa bouche. C'est comment? Allez, de la TNT, c'est très bien. Si on est dans la merde, ça peut toujours aider. Ok. Nice of the Nazis to leave all this lying. Des bandages, parfait. Ah yes. Mais celui-là, dès que je l'aurai. Oh là là, ça va être un massacre. On récupère ça, parfait. Là on a quoi? Ouais. C'est un car silencieux, d'accord, ok ouais. Et les documents. Ça c'est fait. Ok, on a tout. On va juste en mettre full life. On est déjà full life. Parfait. Il a quoi comme viseur celui-là? Ok, d'accord. Ok, clé des anciens tunnels. Ok. Juste que j'arrive à passer sans me faire voir. Ok. Alors là-bas, normalement, on a un tireur d'élite. Ouais, ok. J'ai pas bien compris. Vas-y, comment il a toqué les balles. Oh mais c'est magistral.
What? Ils m'ont entendu? Mais non! C'est une blague. Genre, tu m'as entendu. What? Mais mec, j'ai tiré au silence. Ah ouais, mais j'ai peut-être tiré. Ah, mais c'est pas vrai. Ouais, bah, si là, le... là, ça a foiré. D'où tu m'attires, quoi? Ok, ça c'est vu. Si avec tout ce bruit je suis pas déjà repéré, je comprends pas. Wow. Eh mais c'est bon là les gars? Impeccable. Ah non, mais c'est une blague. Ah c'est bon là. Je vais voir pour peut-être changer de silencieux parce que... Ou même de fusil parce que putain... Elle est bien le M1903 hein, mais par contre... tu te fais détecter de ouf hein, c'est incroyable. Même avec un silencieux. Bon, ce qui est réaliste hein, en soi, un silencieux c'est... plus un réducteur de son qu'autre chose, mais ça ne... ça ne fait pas plus de bruit. Il est où le guignol là avec sa MP40? Voilà, on parle plus. J'aimerais bien que la personne, plus personne là me tire dessus. Genre tout va bien, c'était une fausse alerte, c'est Hans qui a appuyé sur le petit bouton rouge alors qu'il ne fallait pas. Ok, donc du coup on est arrivé ici. Il va falloir maintenant rentrer dans la propriété, trouver le bureau de Müller. L'établi le plus proche, il est à la cave, hein, je crois. Ouais, parce qu'il y avait celui-là, mais on l'a un petit peu dépassé depuis. Et sinon, ouais, j'aurais bien fait une petite refonte au niveau de l'équipement. Mais bon, tant pis. Est-ce qu'on peut rentrer par là, normalement? Oui. On peut rentrer par les sous-sols, en vrai. Pas interdit. Par les sous-sols. Juste en espérant qu'il n'y ait personne. Là, c'est bon. Ok, donc là, on est dessous ici. On a un accès pour grimper. Est-ce que ce serait pas l'accès que j'ai vu tout à l'heure? Ah. Après, il reste toujours le lierre hein, possible. Ok, au-dessus de nous, c'est bon. Essayer de voir s'il n'y a pas du lierre là. Alors, on est où? Alors, on est proche là. Il faudrait que j'arrive ici pour trouver la zone avec le lierre. Ce serait pas mal. Wo sind die Offiziere? Hab den ganzen Tag noch keinen gesehen. Offenbar renovieren sie den Festsaal. Tous les officiers sont dans la salle de bal. Oh schön. Très bien. Moment mal. Bon à savoir ça. Si j'arrive à buter tous les officiers, ça va être très très drôle. Ok, il y a du lierre là, parfait. Il y a personne. Putain! Mais qu'est-ce qu'il foutait là-bas lui? Wie bitte?
c'est la pire infiltration du monde. C'est maintenant, c'est officiel. Hein. Use this SMG. On va avoir le droit à l'alarme, je pense, dans pas longtemps. Nothing else. Un endroit où on pourrait se cacher là en vrai. Cross Kumler off the list. Attends, c'était ma cible. Il est tellement mort comme une merde. Bon bah c'est bon, on a la clé du bureau de Muller. Oh là là. The Nazis have raised the alarm. Ça y est. Je crois que je suis repéré. Pire infiltration du monde. Je crois que j'ai déjà trouvé le titre de cette VOD, mesdames et messieurs. Ce sera l'infiltre à quoi? Ah, c'est THE infiltration, là. On dégomme du... soldat à l'appel, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Nazis stealing heirlooms. Non, je fais mes emplettes, moi. Je joue pas comme tout le monde. J'ai l'impression. Das was? Hans, das was? Qu'est-ce que se passe? Was denkt sich Kumler, die Gebrüder Lauder so zu behandeln? Das ist bei mal Sache. Mal sehen, was der Emporkömmling sagt, wenn wir ihn aus dem Geschäft rausnehmen. Il parlait à son bureau de chambre ou c'est comment lui? T'allais faire quoi de ce cadavre? This'll come in very useful. Allez, let's go. Tout va bien, il n'y a qu'un intrus, c'est moi, tout va bien. Interesting. All right. Pire. I can use this. Ok. Non, vous inquiétez pas, le chat, l'alarme, c'est normal, c'est ma nouvelle sonnerie de téléphone. Tout va bien, on est absolument pas repéré. Et voilà, la statuette, on l'a. Vous voyez, je vous ai dit, et la personne, elle rappellera. Voilà, juste, j'avais pas le temps de décrocher. Et... monsieur. Ah non, non, ça c'est pas cool. On pourrait éviter de faire péter le château de Beauregard. Hein. Voilà. Voilà. Ah, il a été tanké par un bush. Je note. Le tanking de Bush, bien évidemment. Alors le bureau de Muller... je crois que théoriquement on peut y accéder par les catacombes. Enfin pas par les catacombes, plutôt par le grenier. Mais alors exactement où, je ne sais plus. Ouh ! Rifle. Oui, missing a scope. I can work with that. Moi, c'est pas grave ça. Voilà, moi c'est un bat. On va juste shooter l'alarme, si ça vous dérange pas, histoire de me mettre en mode vibreur, plutôt qu'en mode sonnerie. Ah bah attends. Voilà, je voulais faire du bruit. Autant que faire se peut. Non monsieur, faut pas crier comme ça. Non, il faut mourir un jour monsieur. Hein.
Nothing else to find. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je suis un professionnel de l'infiltration. Récupérer les munitions, c'est fait. Par contre, là, j'entends, je reconnais, ça monte. Bas? Das va, Das? Opel Meriva? Le bureau de Muller, normalement, je crois. Ça, c'est un sniper. Le bureau de Muller, je ne sais pas par là. Des bouteilles. Que, évidemment, YOLO la bouteille. Alors, déjà. Super. L'alarme. Ensuite, on doit avoir Friedrich avec son car 98. Non, mais qui est là en fait? Voilà, calme-toi Friedrich. Bureau de Muller normalement qui doit être là. Muller's office. I've got the key. I can get in nice and quiet. Bonjour. Alors. Je commence à vous connaître, hein. I'm in. Time to find this top secret project. Alors, the top secret project. A hidden room. Mahler's one crafty bastard. Not here. C'est bon? Non, ok. Nothing. Ok. Bon, la statuette peut-être. Ah, ça y est. Ah, il faut savoir que c'est jamais le même truc. Ah, une fois, une des missions, ça a été ça. Une autre mission, ça a été ça. Une autre mission, ça a été le cadre. Donc c'est marrant parce que du coup, ça change à chaque fois. Ok, Operation Kraken, let's see. Hop là, Kriegsmarine, Auslandist, friends in Japan. Just how many connections in the axis. Ça c'est good, c'est récupéré, parfait. Donc on a récupéré les informations top confidentielles. Super. Et du coup, un des voleurs est un tireur embusqué qui surplombe la cour. Oh. What the? Bonjour. Cadeau. C'est rechargé? Non. C'est la grenade cabriole qui permet de faire des cabrioles. Oui, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Oh bah j'ai tué tout le monde. Oups. Elles sont pas un peu OP les... J'allais dire, elles sont pas un peu OP les grenades dans ce jeu? Non, attends, je vais me soigner là parce que sinon je vais bientôt pleurer. Alors, comment sortir de là vivant? Déjà en faisant attention à lui là. Ok. Récupérons des bandages. Donc, on a réussi à récupérer les documents sur Mahler. Maintenant, il va falloir réussir à s'exfiltrer. Et je vous avoue que ça a l'air plus compliqué que prévu. Alors, faisons un petit point map. Donc, on doit récupérer notre point d'exfiltration ici. Mais ça veut dire qu'il faut traverser toute la pampa jusque là-bas et réussir à atteindre le point à la forêt là-bas. Donc, notre meilleur point d'incursion, c'est ce petit jardin-là.
moi dans le bon sens. Il faudrait juste que je trouve une fenêtre. Alors, avec de préférence pas la vue sur la mort. Je vais tenter vite fait un truc. Rentre vite. J'ai plus de bandage, évidemment. Et c'est là où je me suis baisé tout seul, du coup. Merde. On se retrouve dans une situation fort peu cocasse, vous en conviendrez. Il me faut des médicaments. Peut-être le cadavre de ce pauvre... Des munitions de pistolet, oui, bien évidemment, j'entends. Toujours pas de bandage. Ok. Tendu, très tendu. Allez, des bandages, des bandages. Toujours pas de bandages. Il me faudrait juste des bandages. Là, je me prends une balle et puis au revoir moi. Hein. On se le dise. Ah, c'était sûr. Bon, on aurait le droit à une mort finalement. Échec de la mission. Bon, c'est pas grave. On reprend. Ok, ça c'est fait. Donc, on a récupéré les documents secrets. Maintenant, on doit s'exfiltrer. Le point d'exfiltration, on a dit qu'il était par là, donc il faut que je rejoigne le plus vite possible la zone là-bas. Mais je crois qu'on a des strudels qui nous attendent. Got what I came for. Time to link up with the resistance and get out of here. Ok. Zergout, zergout. Le problème, c'est que s'extraire comme ça, c'est faisable, hein. Mais c'est couillu. Je savais bien que ça me servirait. Détruisez la voiture neuve de Mauler. Putain, c'était un objectif. Impeccable. Ok. Bon, finalement, rejoindre les jardins était plus simple que prévu. Ce que j'appellerais une grenade. Thanks for leaving this. Ah rien, c'est très drôle, oui, oui, oui. Hop là. On n'oublie pas, hein. Il y a de l'exfiltration dans le mot. Exfiltration. Attends, parce que lui il va venir. C'était sûr. Le deuxième camion. Mais what? Je t'ai pas tué toi? Je disais donc. Le deuxième camion. Sûr que t'allais être là, toi.
Allez, on se taille très vite. Ça s'est transformé en battlefield, cette histoire d'infiltration. Voilà. This grass could make some useful cover. Ça aurait été l'exfiltration la plus YOLO. Voilà. J'essaie quand même de leur laisser un petit message, hein. Histoire d'eux. Plus vite le rechargement, plus vite, parce que là ils ont l'air très colère. Ouh. Headshot. Allez. Là c'est les kills du plaisir, hein, vraiment. Entre les deux yeux. Et voilà, mesdames et messieurs, cette infiltration aura été incroyable. Voilà. Ah, mais ils veulent tous leur petite balle, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein. Ils veulent tous leur petite balle de fin de jeu. Auf Wiedersehen, petit Kinder. Auf Wiedersehen. Bon bah voilà, on a les papiers, on a tout. Exfiltration. Je suis tellement le mec avec plein d'explosions derrière. T'as été l'infiltration? T'as les infos? Ouais. Derrière lui, c'est un film de Michael Bay, tu sais. Oh bordel. Et puis ils lui disent rien, je sais. Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten. Ich fürchte nicht. Ihr Büro im Chateau wurde ausgeräumt. Mein Büro? Wie ist das passiert? Wir haben einen Saboteur erfasst. Aber er redet nicht. Bringen Sie ihn her. Vous aurez beau me torturer tout ce que vous voulez. Je ne dirai rien. Monde nazi. Le Shadow va venir vous descendre tous d'une balle en pleine tête. Vous ne verrez rien venir. Ah, c'est bon, la VF est un petit peu cassée, hein, quand même. Un choco. Der Schatten. Bitte? Hat Operation Krake den Scharfschützen angelockt? Der Walens Ratte? Und Bohms Raketen zerstört hat. Bon, et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin. C'est la fin de ce deuxième épisode qui fut un peu plus court, en vrai. On a été un peu plus bourrin aussi, hein, je pense. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait l'objectif facultatif. C'est vrai. My bad pour ce coup-là. Hein, on n'a pas fait l'objectif facultatif. Qui était, si je ne m'abuse, faire péter un coffre et trouver des trucs volés. Pour le coup. Bon, en tout cas, si cet épisode vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à le partager, à commenter. Nous, on se retrouve pour l'épisode 3, bien évidemment, de Sniper Elite 5. Je vous fais des gros bisous, mes canards. Et surtout, stay metal. Los que dejas mandar, los aprovecha otro que